ThyssenKrupp Matériaux traite et distribue des matériaux tels que l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, l'acier, le zinc et les plastiques industriels. La section québécoise de l'entreprise, qui communique régulièrement avec les 42 divisions nord-américaines du groupe allemand ThyssenKrupp, a traduit, dans un français de qualité, 11 documents commerciaux qu'elle a ensuite intégrés à son site Web. Ces documents totalisent plus de 150 pages d'informations hautement spécialisées. Près de 3000 heures ont été nécessaires aux 6 employés de l'entreprise engagée dans la réalisation de ce projet. Leurs efforts ont porté leurs fruits. À preuve, ThyssenKrupp Matériaux a constaté que la clientèle du Québec connaît beaucoup mieux ses produits et que la terminologie française les désignant n'a plus de secret pour son personnel québécois. L'utilisation des bons termes en français s'est aussi imposée dans les secteurs d'activité tels que l'aérospatial, les télécommunications, le gaz et l'industrie papetière, là où les produits de ThyssenKrupp Matériaux sont utilisés.